Irlande, Moïse à Quinigan. Dans un univers sensationnel, rejoignez la grande famille des lovers sur FM Liberté. FM Liberté vous offre le meilleur moment des week-ends, en écoute libre des meilleures vibes. Savourez de très bons moments, en accompagnement de Moïse Aguillégan, et ne ratez l'un des grands rendez-vous des discussions sur FM Liberté. Afro's Club, c'est chaque samedi à partir de 18h, heure de Chicago. Bienvenue à tous à ce grand rendez-vous donc de la musique Zouk Love, la musique sensuelle qui nous unit. Bien évidemment, merci à tous d'être avec nous pour ce moment de bonheur que nous allons passer avec une des célébrités, une diva. Et également, j'ai une grosse surprise pour vous, chers amis internautes. Vous êtes également au bon endroit sur le www.afrowebtv.com. Appelez-moi tout simplement à la réalisation au micro, votre humble serviteur Moïse Aguinigan pour vous et pour votre plaisir. Recevez également les salutations les plus fraternelles et surtout à les plus amoureuses. Aujourd'hui, alors, nous avons le honneur de recevoir également dans le méandre de cette émission Afro's Club, diffusée également sur le www.afrowebtv.com ou également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine, cette diva de la musique que nous recevons, qui nous fait plaisir également, qui nous fait l'honneur d'être à nos côtés, surtout en ligne avec nous pour le plaisir de tous les mélomanes. Il s'agit bien évidemment donc de Christiane Obidol. Oh my goodness. Christiane Obidol, bonjour. On la reçoit juste au bout du monde en France. Oh, Christiane, bonjour. Bonsoir, comment est-ce que vous allez? Bonjour. Il faut dire que Christiane Obidol, c'est également donc une chanteuse, auteure, compositrice, une vraie bête de scène, une artiste qui n'est plus aujourd'hui à présenter de par le monde. Et vous avez fait beaucoup de scènes également donc de par le monde, quel que soit aux États-Unis, en Europe, également sur tous les autres continents. How are you doing today, Christiane? I'm fine. I'm so fine and glad to be here today. Oh, why? I'm very glad to meet you too. Oh, my goodness. You're so beautiful. Oh, wow. Oh, wow. I can testify that you are one of the beautiful ones we are receiving and we are welcome right now on AfroWeb TV. So, can you little bit introduce yourself for those who don't know you yet? I know I'm going to introduce you, but can you just tell a little bit about yourself? Yes, I'm a singer. I'm coming from a group who started in 1986, and the name of this group is Zouk Machine. Mm-hmm. Yeah. And it was my brother and my brother-in-law who started this group. Oh my goodness, congratulations, you did a good job until now. We still got like many things from you, and then it's gonna be a great show we're gonna do with you today. Alors merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment où nous recevons Christiane Obidol. C'est qu'en 2 minutes nous ne nous permettrons pas de parler de vous, de votre carrière, de votre discographie, de vos récompenses, de vos nouveautés, de votre actualité, et c'est vraiment un réel plaisir également donc de vous savoir aujourd'hui à notre côté. Christiane, aujourd'hui, dites-moi, vous évoluez depuis des années dans le Zouk Love. Comment est-ce que vous définissez ce registre dans lequel vous évoluez et qui est le Zouk? Ben, comme je disais tout à l'heure, c'est mon frère aîné, oui, qui lui avait déjà un groupe dans les années 70, c'était le groupe Expérience 7. Et après, il a voulu monter un groupe de femmes et il a pensé à 3 femmes, Joëlle Ursule, Dominique Zorobabel et moi-même. Donc on a commencé en 86 le groupe Zouk Machine, et en 90 le titre Maldon a été un tube en France, et grâce à ce tube, ça nous a permis de faire pas mal de scènes partout dans le monde, ouais, effectivement. Partout dans le monde, aujourd'hui, quand on prend le Zouk, on compte également beaucoup de noms. On vous compte parmi également les célébrités. On vous compte parmi les meilleures chanteuses du monde à travers cette note sensuelle. Alors, aujourd'hui, donc, nous avons l'honneur de vous recevoir dans notre émission en direct des États-Unis. Également, donc, Christiane Obidol, ce nom qui nous a fait frémir et qui continue par le faire à travers de très belles notes musicales. Alors, Christiane, comment
avez-vous et quand avez-vous réellement décidé de faire carrière en tant qu'artiste de la chanson? Alors, je suis née d'une famille en fait de musiciens. Mon père était un grand musicien. Je crois que c'est lui qui nous a inculqué ce goût de la musique parce qu'il jouait au piano, il jouait à la flûte, il jouait à la trompette, il jouait à la guitare et il chantait. Donc, il nous a tout appris et à la maison, il y avait toujours un piano. Et comme on était 7 enfants, on a commencé à monter un orchestre et on jouait dans le salon, on chantait. Voilà. Et j'ai commencé à vouloir devenir chanteuse très jeune. J'avais 5 ans quand j'ai voulu décider d'être chanteuse. Waouh, vous avez commencé dès l'enfance et également, quelle est l'histoire là qui vous lie également à ce groupe? Je suis pressé de vous poser toutes mes questions. J'ai plus de 30 questions ici, vous ne pouvez même pas imaginer. Quelle est l'histoire là qui vous amène avec Aka Zouk Machine? Parce que on ne peut aujourd'hui dissocier votre carrière solo également donc de cette carrière de Aka Zouk Machine, puisque vous faites vous avez fait jusque-là un double carrière. Et je me pose la question de savoir comment est-ce qu'a été possible de faire un double carrière comme ceci. Ben, en général, c'est vrai, quand un groupe se casse, puisque le groupe Zouk Machine s'est cassé, quand un groupe se casse, l'artiste part et va faire sa carrière solo. Mais moi, j'ai décidé de rester. Les autres sont partis. J'ai fait tout le contraire, je suis restée, j'ai récupéré le nom et j'ai décidé de continuer à chanter les chansons de Zouk Machine parce que je me suis dit que j'avais un tube qui était mal donné et que je pouvais pas le mettre à la poubelle comme ça. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai gardé le nom, j'ai continué à faire du Zouk Machine tout en préparant mon album solo. Donc des fois, il y a des titres à moi dans le set de Zouk Machine. Waouh! Non, je suis très honoré de votre présence en ligne aujourd'hui. Chers amis internautes, si c'est maintenant que vous venez de prendre le train en marche, merci de partager cette émission qui est disponible également sur notre chaîne YouTube Afro Web TV, diffusée également sur d'autres antennes qui relaient également notre émission Afro The Club. Merci à tous d'être avec nous. Je vais également partager cette première pause avec vous pour vous remémorer à travers cette chanson et culte et également, je dirais, donc l'une des meilleures compositions de notre invité Christiane Obidol et qui nous fait encore remémorer des très bons moments de Aka Zouk Machine. On revient juste derrière pour consommer encore d'autres tubes. Regardez ceci.
humanité. United, qu'il français, qu'il anglais, espagnol ou créole, portugais, danois ou hollandais, bon nous Mémoire Akazuka. Nous recevons aujourd'hui pour plaisir, chers amis internautes, chers amis téléspectateurs, l'une des divas de la musique afro. Alors, merci à Christiane Obidol qui a accepté également avec plaisir notre invitation au cours pour cette émission que nous réalisons en direct également. Merci infiniment de partager avec les amis sur différentes plateformes. C'est un plaisir et c'est un honneur également de vous savoir nombreux pour partager surtout les connaisseurs de cette musique de son sensation qui nous amène. Aujourd'hui, je viens de voir également cette très belle vidéo Mémoire de Zouk Machine. Quand vous-même vous regardez cette très belle chanson, et qu'est-ce que cela vous dit? Ben, ça me rappelle le moment où j'ai écrit le texte, ça me rappelle l'instant, la musique que j'ai composée, enfin que mon ami qui s'appelle Henri de Lépine a composé pour moi. Ça me rappelle la façon dont il a fallu fouiller dans ma mémoire pour aller parler d'un peuple qui était là avant nous et qu'on a tendance à oublier, qui sont les Amérindiens. Et voilà, j'ai voulu parler d'eux. Tout à l'heure, vous venez de parler donc d'écriture. Et je suis tenté de vous demander comment est-ce que vous arrivez à écrire vos chansons et d'où vous tirez vos inspirations. Puisque vous êtes tout entre deux avions, on vous voit sur différentes scènes voyager tout le temps. Et si ce n'est même pas encore avec la Covid, maintenant vous allez continuer le tour du monde. Alors, d'où vous tirez vos inspirations? Qu'est-ce qui vous inspire plus en matière d'écriture de toutes vos chansons qu'on connaît sur le marché? Je suis souvent inspirée par la musique. Je préfère avoir la musique pour pouvoir écrire le texte. Mmh. Et la musique m'inspire des thèmes. Et ensuite, ce sont les thèmes de la vie, en fait. On n'invente rien. Hein. C'est ce qu'on voit autour de nous. C'est ce qu'on entend. Et c'est ce qu'on est, en fait. C'est ce qu'on vit. Vous vivez également l'amour. Vous chantez l'amour également dans toute sa diversité. J'ai constaté que vous chantez en français, en anglais également. Et vous chantez très bien avec une corde vocale exceptionnelle en anglais surtout. Et dites-moi maintenant, au cours de toutes les collaborations, de vos voyages, au cours donc de votre carrière jusqu'à aujourd'hui, qui date plus de 30 ans de carrière, alors dites-moi, quels sont les artistes qui vous ont tellement influencé ou que vous avez rencontré au cours de vos voyages, au cours de vos collaborations, qui vous ont marqué, vous, exclusivement? Voilà, j'ai rencontré pas mal d'artistes, en fait, autant internationaux que nationaux, parce que j'ai fait pas mal de télévision et que, en général, c'est sur les télévisions qu'on rencontre des artistes internationaux comme Maria Carré, comme je sais pas, j'en ai vu plein. Hein. Après, j'ai pas collaboré énormément avec les artistes. Je me suis retrouvée surtout sur des plateaux avec des artistes français comme Lio, partenaire particulier, le chanteur de Macarena. Il y en a plein. Je me retrouve avec La Rousseau, Benny B. Worlds Apart, j'en ai connu pas mal, j'en ai croisé pas mal aussi. Vous en avez croisé pas mal. Aujourd'hui, nous avons aussi, nous, l'honneur du côté des États-Unis. Je suis sur des tournées, la Covid nous empêche de les faire, mais je suis sur les tournées où il y a des plateaux 80, des plateaux 90,
Oui. Et je suis sur les deux, puisque je suis sur les deux décennies. Justement, et vous avez eu à faire beaucoup de scènes, et plus de, je dirais, 500 millions de personnes vous ont vu au cours de vos scènes. Quand on cumule aujourd'hui, quel est le bilan que vous faites à mi-parcours? Je sais que vous n'allez pas me dire que vous êtes à la fin de votre parcours musical. Et aujourd'hui, puisque vous continuez par composer, quel est le bilan que vous faites aujourd'hui à mi-parcours? Mais à mi-parcours, vous voyez le chiffre que vous venez de donner, là, je suis même moi-même étonnée. Non, mais je n'avais jamais compté le nombre de spectateurs. Et ce sont les médias qui me disent que oui, j'ai fait tant de spectateurs en 35 ans. Et je me dis, oh là 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 là, quand même. Et ça, c'est la France, que la France. Alors après, il y a l'Afrique, il y a... On est allé un peu partout, sur l'Indonésie, Tahiti, la Nouvelle-Calédonie, donc voilà. Aussi, on vous a vu partager beaucoup plus de scènes de télévision, d'émissions et autres, avec sur les chaînes internationales, les grandes chaînes. Aujourd'hui, nous aussi, nous avons l'honneur de vous recevoir dans notre émission Afro-Zouk Love pour célébrer encore une fois l'amour et surtout célébrer vos compositions. Et dites-moi, quelle est la question la plus surprenante ou la question, le plateau que vous avez partagé avec des journalistes télé, des présentateurs télé qui vous ont tellement marqué dans le monde médiatique? La question la plus surprenante? Ouais. Ça, c'est une question surprise, bien sûr. Ouais, elle est très surprise et je sais pas quoi répondre parce que, en fait, il n'y en a pas de surprenante vraiment. Je pense que les gens. Ne connaissent pas mon nom. Oui. Général. C'est-à-dire qu'il m'appelle Zouk Machine, il m'appelle Aka Zouk Machine, mais en général, ils n'arrivent pas à dire mon nom. Ils m'appellent des fois Joël, ils m'appellent Dominique. Ok. Donc, non, c'est ça qui me surprend. Moi, je suis surprise par ça. C'est vrai qu'on n'a pas communiqué à l'époque nos prénoms et nos noms. Et que les autres ont fait des albums solo, alors que moi, non. Donc, c'est pour ça que les gens ne connaissent pas vraiment mon nom. Mais est-ce que lorsqu'on vous appelle aujourd'hui, puisque c'est vous qui continuez par nous remémorer par rapport à ce groupe, et surtout avec de très belles sensations musicales, Aka Zouk Machine, est-ce que lorsqu'on vous appelle, par exemple, Aka Zouk Machine, vous êtes dérangé? Non, mais ça m'étonne encore. Je lui dis, mais pourquoi les gens ne m'appellent pas par mon prénom? C'est ça qui m'étonne. Mais ça ne me dérange pas du tout. À 15 ans, ça ne me dérange pas. Au contraire. Au contraire, merci infiniment d'être avec nous pour la suite de cette émission que vous suivez sur le www.afrowebtv. Et merci également à vous tous qui essayez de partager cette émission avec nous. Nous recevons une diva de la musique afro, une célébrité également qui cumule plus de 30 ans de carrière déjà. Alors, mesdames, messieurs, c'est vraiment du plaisir pour nous que nous partageons. Et surtout, nous vous envoyons les ondes amoureuses en ce moment. Elle chante beaucoup l'amour dans toute sa diversité, Just Like Emma. Parlez-nous un petit peu de cette très belle chanson. Enfin, Just Like Emma, c'est pas une chanson de moi. Enfin, Just Like Emma, c'est une amie, justement, qui a monté sa radio. Ok. Et la chanson s'appelle Ailleurs. Ailleurs, voilà. Ailleurs. Alors, allez-y. Quoi, vous voulez quoi? C'est la chance? Oui, et si vous voulez, ce serait un plaisir de vous écouter. Mais tu t'enfuis entre nos doigts. Plus tard, on sait qui ne se rattrape pas. Mais rien arrive sans qu'on y croit. Il faut se faire violence pour sauter le pas, j'aimerais vous emmener
là-bas, où le temps joue à l'infini avec le soleil, où il pleut des gouttes de joie. Le vent souffle des mots doux aux fleurs qui sommeillent. Voilà. Voilà. Oh, ça s'applaudit, ça s'applaudit, ça s'applaudit. Vraiment, félicitations et merci de savourer cette très belle note musicale titrée Ailleurs de Christiane Obidol. On revient juste derrière. Le temps file entre nos doigts. Plus tard, on sait qu'il ne se rattrape pas. Et rien n'arrive sans qu'on y croit. Il faut se faire violence pour sauter le pas. J'aimerais vous emmener là-bas, où le temps joue à l'infini avec le soleil, où il pleut des gouttes de joie. Le vent souffle des mots doux aux fleurs qui sommeillent. L'amour fait sa loi. Christiane Obidol est avec nous, oh my goodness. Merci infiniment à tous d'être avec nous pour ce moment de bonheur que nous partageons avec vous. Nous vous envoyons les ondes positives et nous recevons pour votre plaisir cette diva de la musique afro qui a connu des années de gloire dans les années 80-90, qui continue également par nous servir de très belles sonorités musicales, très beaux clips. J'aime tellement également cette très belle chanson qui vient de passer. Et également, elle continue par faire le tour du monde et vit à Paris. Nous la recevons par duplex pour le plaisir de tous les mélomanes dans votre émission Afro Zouk Love sur le www.afrozouklove, sinon afrowebtv.com. Merci à tous d'être avec nous. Alors, Christiane Obidol, dites-moi, comment avez-vous pu réaliser cette très belle chanson qu'on vient de voir? Je pense que j'avais une envie d'ailleurs, ça tombait bien parce que
La chanson, elle donne envie de voyager. Elle donne envie d'aller, de s'évader. C'est pour les vacances, c'est pour les amoureux, c'est pour tous ceux qui veulent sortir de leur train-train. C'est pour tous ceux qui veulent voyager dans leur tête, en fait. À défaut de prendre l'avion. Voilà. Notre voyage a Il y a une continué. partie qui a été tournée, une partie qui a été tournée à New York, une autre partie en Martinique. Et ça Waouh. donne un beau mélange, je trouve. Voilà. Très beau clip, on a tellement apprécié. Ça fait plaisir également de vous avoir à nos côtés aujourd'hui, surtout en ligne et par duplex sur AfroWeb TV. Alors, Christian Obidol, quels sont les meilleurs moments que vous avez passés sur scène, puisque on vous retrouve aujourd'hui, c'est toute une multitude de scènes, c'est tout. On ne peut même pas citer les scènes aujourd'hui. Excusez-moi, mon téléphone a Sans souci. bougé. Oui. Nous recevons pour le plaisir de tous les mélomanes, avec tous les honneurs, Christian Obidol, également qu'on a connu avec Akazouk Machine, qui continue par nous faire plaisir avec de très belles sonorités de Akazouk Machine également. Il semble que sa caméra est en train de On bouger a un un petit problème peu, et technique. là, je suis toujours. Un petit problème technique. Ouais, elle va continuer par le faire très rapidement. Alors, je dirais Voilà, donc c'est que bon. 82 minutes ou sinon 52 minutes même ne suffiront pas pour parler également donc de cette diva de la musique afro. Merci à vous tous qui ne cessez également de nous faire montrer votre amour en envoyant les cœurs, en partageant également avec tous les amis. En ce moment, cette émission sur d'autres plateformes, dans d'autres groupes, sur Instagram, comme sur Facebook, comme sur YouTube également, cette émission sera disponible pour vous et est toujours disponible si vous voulez également d'autres actualités de notre artiste, de notre invité aujourd'hui. C'est aujourd'hui, c'est nulle part ailleurs, c'est sur Afro TV. Je vais vous poser la question de savoir également donc les meilleurs moments que vous avez eus sur scène. Parlez-nous-en un peu. Oh, j'ai eu des très beaux moments, mais je pense que c'est l'Afrique. Parce qu'en fait, quand on a monté le groupe en 86, les premières scènes qu'on a faites, c'est l'Afrique. On est allé au Burkina Faso. À l'époque, il y avait Joël Ursule. Et on s'est retrouvés dans le festival du FESPACO. Et il y avait 80 000 personnes qui nous attendaient dans un stade. Et je crois que ça, c'est inoubliable. C'est inoubliable pour moi. C'est une période. Les premières périodes de Zouk Machine, en fait. Les premières périodes de Zouk Machine, comme vous venez de le dire. Alors, on va permettre à ce que Christian Obidol remette en place et en bonne due forme sa caméra. Et pour le Elle est plaisir de tout toujours le pas monde, on loin, va c'est ça. proposer également une très belle chanson de Christian Obidol qui fait partie également de son actualité. Et devinez quoi? Et ça va venir quoi? C'est Ça va quoi? venir, ça va venir. Je ne sais pas si c'est en créole, Powerful, Parfait Wall. C'est le titre de la chanson? Ah, Parfait Wall. Ah, tu l'as Parfait très bien Wall. prononcé. Ah, Ne te merci. moque pas de ma... Don't joke. Ok. Mais on retrouve également sur cette très belle sonorité votre beauté, cette sublime. Et dites-moi, quel est le secret de Christian Obidol, puisque vous ne changez pas, vous restez comme vous êtes. Ah mon Dieu, je sais pas, je j'ai pas de secret que je garde et que je non, je vis, mais j'essaye de vivre sainement, pas trop à fond. Puis à l'âge aussi, à un moment on se calme. Parfait Wall. On se l'écoute, on se l'apprécie, on déguste également les meilleures saveurs musicales. C'est sur Afro Zouk Love. Et dans votre émission Afro Zouk Love, c'est nulle part ailleurs. This is one of the best songs I'm gonna propose to you. Bloqué sur le passé, pas qu'à vous t'en défiler, qu'à pas les blablabla. C'est mon tatata, car c'est ça, si ça, on fait ça. Qui fait ça, qui doit faire pendant qu'à mal balé, pas qu'à ouais, nous la casse d'adnée. Lance pas les bas, qui est moins fort. À quand on nous gondait, qu'à manger, ou pas rien qui mord.
francs. Car était fixé si on l'idée qu'on peut pas réaliser. Pendant si longtemps qu'on t'a passé qu'à empêcher nous avancer. Try not to fall. Arrêtez vers don't lose control. Family ever outside. We often disagree every time we know our play. By the way, come by the way, out of sight, out of mind. You're not conscious enough. Talking about the king without knowing the meaning. Pretending you're the king. Always out of solution. Whenever find a reason to give to others a little bit of attention. Très belle chanson, qu'a dansé, hein, très très bien. Alors, j'ai envie de dire que ça nous réfère plus au compas Gouyade. C'est quand, vrai? Oui, parce que quand j'écoute également donc, les notes de compas Gouyade, et puis la cadence de compas Gouyade et Parfait Wall, et ça m'amène sur un autre ciel, au fait. Et ça fait plaisir de vous savoir. Pardon? Pas mieux, c'est... C'est une alchimie qu'on cherche. C'est ça la musique, c'est de l'alchimie. Ça, c'est ça la chimie dans la musique. Alors, quelle est la meilleure composition qui vous a été facile et laquelle vous a été difficile? Oh, pour moi, tout est, on va pas dire difficile ni facile, tout est... Il faut prendre le temps de faire les choses, il faut... Je fais jamais les choses très vite, moi. Et je prends le temps, je prends le temps. Donc, c'est pas plus... Le plus difficile, c'est quand même d'écrire en anglais, puisque je suis pas anglophone, et que je me suis attaquée à des titres... Par exemple, quand j'ai voulu écrire Africa, c'est un des premiers que j'ai écrit en anglais, il a fallu que j'aille réfléchir, que je me remémore mon anglais de l'école, en fait. Puis après, je suis allée voir des gens qui parlent anglais pour me corriger. Mais j'avais vraiment envie d'écrire des textes en anglais, alors que je ne suis pas du tout anglophone. Ça, c'est difficile, oui. Mais cela ne se sent pas pratiquement que vous n'êtes pas anglophone. Alors, je voudrais vous poser la question de savoir aujourd'hui, vous faites partie également de l'une des références en matière de zouk. Quelle est votre relation, ou soit quelles sont les relations que vous entretenez aujourd'hui avec ceux qui vous ont emboîté le pas et sur ce registre qui nous fascine? Ben, elles ont tout arrêté. Enfin, elles ont tout arrêté. Joël, je n'ai pas plus de nouvelles que ça. Je l'ai eu il y a quelques années au téléphone, mais je n'ai pas trop de nouvelles. Dominique, je l'ai vu il y a très très peu de temps. On était ensemble justement pour... Elle m'a maquillée parce qu'elle est aussi maquilleuse maintenant. Oui.
Et elle m'a maquillée pour faire les photos du titre que je viens de sortir, qui s'appelle Machine là. Donc je l'ai vue en Martinique, elle habite là-bas. Et Jeanne, je l'ai sur Facebook de temps en temps. Sinon, Yves Guy, les auteurs-compositeurs de Zouk Machine, ils sont installés en Guadeloupe, ils sont à la retraite et ils vont très bien. Voilà. Tout le monde va très bien. Quand on parle de Zouk Machine, quel que soit Christian Obidol ou Aka Zouk Machine, alors on parle de plusieurs récompenses, à savoir donc les disques de platine pour un disque de platine pour Maldon, chevalier de l'Ordre des Arts et des Lettres en 2004, disque d'or pour Créole en 1991, et également disque d'or pour Maldon. Qu'est-ce que vous pouvez dire à tous les mélomanes et surtout à tous les téléspectateurs que vous regardez en ce moment sur la chaîne Afro Web TV, et qu'est-ce que cela vous fait à l'issue donc de toutes ces récompenses que vous avez glanées et que vous continuez par recevoir de par le monde? Qu'est-ce que je peux dire? Ben, je suis fière d'avoir eu toutes ces récompenses. C'est vrai que c'est le fruit de beaucoup de labeur, de beaucoup de temps, de beaucoup de travail. Et ben, lorsqu'on est artiste et qu'un jour on est récompensé pour le travail qu'on a fait, ça fait toujours très plaisir. Donc effectivement, on a été très 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 touchés lorsqu'on nous a remis la médaille de chevalier des arts et des lettres. Et c'est grâce à, j'oublierai jamais, c'est un monsieur qui s'appelait, il est décédé, c'est grâce à monsieur Gérard Lavigny qu'on a été récompensé, parce que ce sont des listes qu'on donne, des listes d'artistes qu'on donne, et puis on est choisi parmi les listes, et on a été choisi, et c'est Gérard Lavigny qui nous a mis sur cette liste. Donc je le remercie, et paix à son âme. Merci Christiane Obidol pour cette, je dirais donc, cette fraîcheur que vous venez encore une fois de nous donner. Et aujourd'hui, donc, vous parlez également de l'Afrique. Et à l'instant où vous êtes passé par le Burkina Faso, par plusieurs pays en Afrique également, vous êtes passé également sur divers cieux, mais il y a une de vos chansons dans laquelle vous parlez également de l'Afrique. Et vous parlez également donc de toute la diversité que nous avons en Afrique. Quand et comment avez-vous, dans quelles conditions avez-vous composé cette chanson qui nous remémore par rapport à l'Afrique? Ben ça, je retourne sur le Burkina Faso en fait. C'est-à-dire que je n'ai connu l'Afrique que par la télévision. Et je savais que mes grands-parents venaient de là. Et je n'avais jamais eu l'occasion d'y aller. Et lorsque on a monté le groupe Zouk Machine et qu'on a eu l'occasion d'aller pour la première fois en Afrique, on a débarqué au Burkina Faso. Et l'histoire de cette chanson, c'est exactement ce qui s'est passé. C'est-à-dire qu'on était dans l'avion et lorsqu'on a débarqué, ils ont ouvert les portes de l'avion. On a pris une bouffée d'air chaud. On s'est regardé, ma mère et moi, et on avait l'impression qu'on venait de là. On savait qu'il y avait un truc qui nous rattachait à l'Afrique. Et je ne vais jamais oublier ce jour-là. Et après, on a fait pas mal de pays d'Afrique, mais j'ai toujours ressenti quelque chose ce jour-là, quand je suis arrivée au Burkina. L'Afrique, Afrique. Nous sommes fiers d'être africains. C'est l'Afrique qui gagne sur Afro Hub TV. Toujours, voici toujours. Pour vous, encore une fois, chers amis internautes, vous, les amis lovers, elle chante l'Afrique, le titre Africa de Christiane Obidol, que je vous propose d'écouter et d'apprécier. Envoyez toujours les loves. Leaving there, Africa, salt for you.
L'été en amoureux, Africa, Afrique qui gagne, c'est l'Afrique qui gagne, l'un des meilleurs slogans de notre chaîne Afro-Web TV. Merci infiniment de nous recevoir chez vous, où que vous soyez en ce moment. Vous nous recevez également sur le www.afrowebtv.com. Allez tout simplement également sur notre chaîne YouTube Afro-Web TV et sur notre page où nous diffusons également donc toutes les émissions qui sont disponibles, plus d'émissions également pour vous disponibles. Nous recevons pour le plaisir et pour l'honneur que nous avons pour vous, les amis lovers. Notre guest aujourd'hui, c'est Christiane Obidol, une diva de la musique afro que nous recevons. Et merci infiniment pour le temps que vous nous accordez, malgré votre temps chargé. Et je me demande comment est-ce que je dois définir, par exemple, Christiane Obidol en trois mots. En trois mots? Ah là là. Ben, allez-y. Non, mais je voudrais vous poser la question de savoir comment est-ce que vous-même vous vous définissez. C'est difficile de se définir soi-même. En trois mots. Alors, je suis de... Mon signe astrologique, c'est taureau. Taureau. Et le taureau est têtu. Alors, têtu. Premier mot. Deuxième mot. Battante. Et troisième mot, peur de rien. Voilà, alors merci à Christiane Obidol d'être avec nous pour ce moment de bonheur que nous partageons avec tous les amis internautes et surtout les téléspectateurs d'Afro Web TV diffusé également sur FM Liberté, la première radio de la diaspora africaine. Merci à Christiane Obidol, à toute l'équipe qui vous accompagne et surtout à cette diva, à cette voix mielleuse qui m'a mis en contact avec vous. J'aurai encore une fois l'honneur de vous la présenter un jour à cette très belle beauté. Donc je dirais une beauté exceptionnelle également que nous recevons également dans notre émission Afro's Club. Christiane Obidol, c'est également un nouvel album. Un nouvel album qui parle donc de Seul avec vous. Que pouvons-nous retenir? Que représente également cet album pour vous? Et que retenir de cet album? Comme j'ai été pendant 30,
20 ans. Pendant 20 ans, entourée de filles, entourée d'un groupe, faisant partie d'un groupe, j'ai voulu un moment être seule et faire mes affaires toute seule. Et c'est pour ça que ça s'appelle Seule avec vous. Et vous, c'est le public. Voilà. Elle met toujours son public, elle met en avant et vous Ben, venez de... sans le public, j'existe pas, hein. Je ne Juste vis grâce voir. à eux. C'est eux qui me bougent, qui me donnent envie Oui. de continuer ce métier. Ce sont eux qui font qu'on aime ce métier. Oui. Alors, Christiane Obidol, l'actualité nous amène également sur cette très belle sonorité. Une sonorité qui permettra également donc à tous les mélomanes de savourer. Et vous venez de nous dire que vous avez fait sortir également une très belle chanson et récemment. Donc on a vu également cette très belle chanson de Christiane Obidol sur les plateformes de téléchargement légal. De quoi parle cette chanson? Alors, au départ, j'ai fait une chanson, elle était en créole. Oui. Ça s'appelle Machine là. OK. Et ça parle de la machine qui a toujours fait bouger tout le monde. Ça parle de Zouk Machine en fait. Oui. Et j'ai fait appel à quelqu'un qui s'appelle Indra, qui est une chanteuse française. Enfin, elle est d'origine australienne, si je ne me trompe pas, qui parle très bien l'anglais. Et c'est elle qui m'a fait une adaptation en anglais de cette chanson, Oui. parce que j'ai trouvé un producteur aux États-Unis qui voulait la même chanson mais en anglais. Donc je l'ai faite en anglais pour lui et c'est sorti sur les téléchargements mais là-bas aux États-Unis. Alors, on Ça va se s'appelle Machine l'écouter, là. juste un petit extrait de cette chanson, et je ne sais pas si je vais réussir avec la technique en ce moment. Alors, c'est la chanson dont on parle, c'est à consommer sans modération sur les plateformes de téléchargement légal pour soutenir également l'artiste Christiane Obidol. Merci de nous avoir servi Merci. cette très belle note musicale qui nous amène sur d'autres cieux. Alors, le titre de cette chanson, rappelez-nous s'il vous plaît. Ça s'appelle Machine là. Machine là. Machine En fait, là. en créole, c'est la machine. Oui. En créole, on dit, on met le là après. On Ok. va dire, je sais pas, pour parler d'une table, on va dire tabla. Oui. Pour parler Machine du là. pain, on va dire pain là. Oui. Et là, c'est machine là. Oh, wow. Je dois commencer par apprendre créole, hein, parce que je suis très intéressé par le zouk. Alors, Je te donnerai des cours, Moïse. Je te donnerai des cours particuliers. Voilà, donc nous sommes à la fin donc de cette très belle émission Afro Zouk Love. Malheureusement, que le temps Déjà. n'a pas suffi pour également dire tout sur vous. Alors, je vais inviter tout simplement donc les amis mélomanes, les téléspectateurs à aller sur votre chaîne YouTube, à aller surtout consommer la nouvelle chanson que vous venez de faire sortir, qui est disponible. Machine là, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Ça ne coûte rien du tout. Alors, allez-y, les amis, les mélomanes, les connaisseurs, les surdoués de la bonne musique. Allons-y, consommons sans modération les Télécharger. musiques afro. Alors, quel est votre message à l'endroit de tous les amis téléspectateurs et surtout votre mot de fin pour clôturer en toute beauté également cette émission Afro Zouk Love qui vous est consacrée? Ben, je vous remercie, je te remercie, toi, Moïse, De rien. de m'avoir invité sur ton émission. J'espère que les choses vont repartir puisque la Covid a mis un petit peu le monde en stand-by. Donc j'espère que les choses vont repartir de plus belle et que je vais pouvoir revenir sur les États-Unis pour pouvoir promotionner la chanson, faire des spectacles et passer te voir. C'est de me voir
C'est de voir notre émission en direct. Oui. Alors, moi, je souhaiterais tout simplement qu'on fasse un gros concert. Un gros concert, Christiane Obidol, aux États-Unis. Juste après donc, la COVID. Je pense que la COVID tend à sa fin déjà. Et on doit faire un grand concert, spectacle digne de ce nom, riche en couleurs et en sons de Christiane Obidol. Et pour nous faire vivre également toutes les meilleures sonorités de Akazouk Machine aussi. Et puis nous saluons également tous ceux qui nous ont suivis au cours de cette émission. Merci infiniment à vous tous. Pour terminer, je voudrais juste partager un moment. Oui, allez-y. Je vais inviter les gens à venir sur ma page. Oui. Sur la page Facebook. Alors, venez voir ce que je fais. Oui. Venez voir ce qui se passe en France. Et puis voilà. Oui. Abonnez-vous sur ma page. Yeah. Rendez-vous sur sa page. Christiane Obidol est avec nous aujourd'hui. Merci infiniment de nous avoir donné ce temps. Alors, j'ai parcouru un peu aussi votre channel YouTube, votre chaîne YouTube, et j'ai vu une petite vidéo lors de votre concert donc du côté des États-Unis, et vous avez fait un petit tour aux États-Unis, et je voudrais partager ce tour là avec des téléspectateurs qui nous regardent en ce moment pour terminer cette émission. Et merci infiniment, c'est juste pour 3 minutes, mais n'oubliez surtout pas de consommer Machine, là disponible pour vous, et c'est de Christiane Obidol aussi. Merci à tous et à chacun de vous. Un plaisir de vous avoir servi. Bisous et plein d'amour.
Suivez sur la première radio de la diaspora africaine votre émission Afros Globe avec à la commande Moïse Akbenigan. Dans un univers sensationnel, rejoignez la grande famille des lovers sur FM Liberté. FM Liberté vous offre le meilleur moment des week-ends. En écoute libre, des meilleures vibes. Savourez de très bons moments. En accompagnée de Moïse Akbenigan. Et ne ratez l'un des grands rendez-vous des discussions sur FM Liberté. Afro Club, c'est chaque samedi à partir de 18h, heure de Chicago.